Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Bien. Donc ici, donc on avait cité qu'il était préférable que tu sois le premier à passer le salam. Que tu sois le premier à passer le salam. Et ici, c'est important, donc ça, si vous ne savez pas, ce n'est pas obligé, mais c'est important. Lorsque quelqu'un il est tout seul, si c'est un garçon, tu dis « Assalamu alayka ». Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou assalamu alayki, si c'est une fille. Voilà, si c'est une fille, tu vois ta mère, elle est toute seule, tu dis assalamu alayki, wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinon, s'ils sont plusieurs, tu dis assalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Si c'est plein de filles, tu dis assalamu alaykunna. Mais si tu n'arrives pas, il n'y a pas de mal à dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, même si la personne elle est toute seule. Également parmi les choses que l'on peut dire sur le salam, les enfants, une chose très importante, c'est que c'est pas il y a un comportement à avoir lorsque l'on passe le salam. C'est-à-dire que le meilleur, c'est celui qui commence à passer le salam. Ça, on l'a vu. D'accord ? Mais ensuite, si toi, tu es dans une voiture, ou dans un bus, ou sur un vélo, ou sur une trottinette, ou sur un skateboard, ou sur un overboard, ou sur des rollers, ou sur un overcart, ou sur un vélo, ou sur... Tu l'as déjà dit, un vélo. Ouais, on l'a déjà dit. D'accord. Une mobylette, sur une moto. C'est-à-dire que si tu es... Sur un avion, ça va être dur, mais... Si tu es donc dans une monture, sur quelque chose, comme on l'a cité, un vélo, une moto, une voiture, et que tu vois quelqu'un qui est à pied, eh bien, c'est toi qui dois le salam en premier. C'est toi qui dois lui dire assalam alaikum en premier. Et c'est pas à lui. Et toi, à l'inverse, si toi tu marches à pied et tu vois quelqu'un en vélo ou en voiture, tu dois attendre qu'il te passe le salam. Et s'il dit rien, d'accord, tu dois... S'il dit rien, toi tu attends parce que la sunna, c'est que c'est lui qui te passe le salam. Ensuite, si tu es à pied et que tu rencontres quelqu'un qui est assis, et bien là, c'est à toi, si tu es debout, en train de marcher, et que tu vois quelqu'un qui est assis, c'est à toi de commencer. C'est à toi de commencer. Tu comprends ou pas, Kaina? Un autre exemple. Si, un exemple, tu es avec quelqu'un, tu es avec ton copain dans la cour de récréation, vous êtes trois, et tu rencontres un groupe où ils sont dix. Et bien c'est... toi qui dois commencer. C'est ceux qui sont le plus petit nombre qui doivent salam, ceux qui sont le plus grand nombre. Également, si un petit rencontre un grand, un enfant il rencontre un adulte, eh bien c'est l'enfant qui doit commencer à dire assalamu alaikum. Il doit commencer à dire assalamu alaykoum. D'accord, donc c'est à eux de passer le salam en premier. D'accord, après si un exemple, un petit, ben, il oublie de salam le grand, ben, le grand il va passer le salam au petit. Ça, c'est pas grave, puisque le petit, généralement un enfant, des fois il oublie ou il ne sait pas. Donc le grand il va lui passer le salam puisque c'est important d'enseigner cela. Exactement. D'accord. Également, parmi les choses importantes à savoir, c'est qu'un exemple, si on marche ensemble,
si on marche ensemble, on marche dans la rue ou on marche à la mosquée, et il y a un arbre entre nous deux ou un poteau. Donc toi tu vas aller par là, moi je vais aller par là et on va se rejoindre. Et bien on se redit salam alaikum. Un exemple, on est en train de marcher à deux, il y a un arbre ou il y a un poteau, on va, ou il y a quelque chose, une voiture ou un vélo, on va s'écarter, d'accord? Et on, dès qu'on se retrouve, on se dit assalamu. On se dit assalamu alaikum. D'accord? On dit, alors attention, on ne dit jamais c'est chelou quand on parle de la religion. D'accord. Si on ne connaît pas quelque chose et qu'on apprend, c'est le but, tu viens ici pour apprendre. Donc tu dis, alhamdoulillah, que j'ai appris quelque chose. Mais on ne dit pas que la religion, ou que la parole d'Allah, ou que la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est comme ceci. On peut dire que c'est marrant. D'accord. C'est bien, on est content, d'accord. Mais on n'utilise pas ces termes. Également, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné, quand tu te rends compte, de se serrer la main. Quand tu te serres la main, tous les péchés que tu as faits, ils tombent, ils partent. Également, un point important, les enfants, quand vous rentrez à votre maison, quand vous rentrez chez vous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Anas, radiyallahu an, il lui a dit, « Ya bunay, idha dakhalta ala ahlik, fasallim. » Yakun barakatan alayk wa ala ali baytik. Lorsque tu rentres chez toi, il a parlé au petit garçon, oh mon petit garçon, lorsque tu rentres chez toi, passe le salam à ta famille. Et si tu passes le salam à ta famille, eh ben tu auras la bénédiction, la baraka dans ta maison. La baraka, c'est-à-dire tu auras toutes les bonnes choses dans ta maison. Et là également, lorsque tu rentres à ta maison, il est important que tu passes le salam. Également, c'est important quand tu rentres dans ta maison de faire le siwak. C'est une sunna qu'il faut refaire. Quand tu rentres dans ta maison, avant de rentrer ou dès que tu rentres, tu mets le siwak dans ta bouche et ensuite tu passes le salam. Ensuite, tu passes le salam à ta maison. C'est pour ça que si tu n'en as pas, tu demandes à tes parents qu'ils t'en achètent un. S'ils te disent pourquoi, tu dis pour faire la sunna. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le siwak, il purifiait notre bouche et il rendait Allah content. Il rendait Allah, tabaraka wa ta'ala, content. Donc voilà pour ces petites choses par rapport au salam. Donc il est important que le musulman, et surtout que vous, les enfants, vous prenez ces bonnes habitudes. Vous prenez ces bonnes habitudes dès votre plus jeune âge afin que vous vivez comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. D'accord, également, quand on rentre chez soi, on demande l'autorisation de rentrer. Lorsqu'on ne rentre pas dans la maison de n'importe qui sans demander l'autorisation. D'accord, on demande, est-ce que je peux rentrer? Si on nous donne l'autorisation, là je rentre. D'accord, les enfants? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.